Cher joueur de Farming Simulator, cher joueur de ferme, comme on le dit. J'espère que vous allez bien, vous avez la patate. Eh bien moi aussi, parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement le nouveau trailer de FS19. C'est un nouveau concept sur ma chaîne, parce que j'ai jamais présenté de nouveau trailer sur la chaîne YouTube, comme d'habitude. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire partager avec un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ma chaîne. Et si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me rajouter un petit commentaire en bas de la vidéo. Bien sûr, je ne vous oblige pas et ça ne bouffe aucun pain. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. On se retrouve à la fin. Sur ce, à tout de suite. Ciao. C'est parti pour le trailer. But someday will be, you ain't worry my life anymore. Et oui les amis, vous avez pu tout simplement reconnaître le jeu vidéo, c'est bien d'FS19 qu'on va parler aujourd'hui. Alors bien évidemment, vous avez pu connaître les sagas qui sont sorties et qui vont apparaître juste à côté. Et bien évidemment, nous avons eu Farming Simulator 2008 qui était un jeu allemand à l'ancienne époque. Et je pense que vous vous en rappelez vaguement. Il y a eu aussi Farming 2009 qui est sorti sur PC, encore une ancienne génération, mais qui a fait encore un carton. Bien évidemment, vous le connaissez tous, c'est Farming 2013 qui a fait concurrence avec la Xbox 360 et la PS3. Franchement, c'était un carton. Nous avions eu aussi Farming Simulator 2014 sorti sur 3DS, donc console portable, bien évidemment. Nous avions eu Farming 2015 qui a fait aussi un énorme carton, qui est sorti sur Xbox 360 et Xbox One, PS4 et PS3. Franchement, un énorme succès. Nous avions eu aussi Farming 2016 qui est sorti sur les consoles portables, c'est-à-dire 3DS, et je n'abuse pas, de la PS Vita aussi, je pense. Le fameux Farming 2017 qui fait un énorme carton sur PC, et franchement, je l'ai testé, c'est de la bombe et de la pure bombe. Nous avions aussi Farming 2018 qui est aussi sorti sur 3DS, donc console portable, encore une fois de plus, et je pense qu'elle sera fait encore un carton. Et bien évidemment, on l'attend tous, Farming 2019. Et oui les amis, Farming 2019 qui va sortir bientôt, et je l'espère très prochainement. Alors bien évidemment, Giant Software sort tous les ans, je dirais bien sûr 2-3 ans, un jeu vidéo dont le nom de Farming Simulator. Pas mal de jeux comme Castlecraft ou Pure Farming sont en concurrence avec eux, mais franchement ils vont perdre je pense. J'aimerais bien aussi qu'ils rajoutent aussi des taureaux, parce que ça ferait franchement plus stylé d'avoir des taureaux à s'occuper, vous savez, genre à les nourrir, à s'en occuper. Bien sûr, après je dis pas les mettre à l'abattoir, enfin vous aurez compris le concept de ce que je viens de dire, bien sûr. Il y a aussi peut-être la forte probabilité d'avoir des brebis. Enfin, je pense que c'est des agneaux plutôt dans la ferme. Ça serait vraiment, vraiment, mais vraiment stylé pour cette 19e édition de Farming Simulator. Et franchement, s'ils font ça, ça serait du lourd. Mais franchement. Bien sûr, les joueurs ont annoncé aussi, enfin certains joueurs ont annoncé l'apparition des chevaux. Donc franchement, ça serait super top, parce que franchement, avoir les mêmes bestioles dans la ferme, moutons, poulets et vaches, on commence à s'enlacer et franchement, c'est un peu la merde. Il serait peut-être grand temps de changer aussi les cultures, donc faire planter des salades. Ouais, franchement, pour ma part, ça serait bien, ça changerait. Mais je pense, j'en suis pas vraiment sûr qu'ils vont le mettre sur FS19. J'en suis pas quasi sûr. Mais après, je peux peut-être me tromper. À vous de voir, bien sûr. Et ce qui serait top aussi, ça serait des carottes. Vous savez, des carottes à planter. Ça serait mais magnifique. Franchement, il n'y a pas à dire. Mais putain, je sais pas comment j'ai dit le mot, franchement.
Mais non, mais voir des carottes, ça serait juste génial en fait. Y'a rien d'autre à dire sur ça. Ça changerait en fait. Nous espérions aussi que la marque New Holland reste en compétition avec FS19 parce que franchement, c'est l'une des marques pour moi-même. Je kiffe cette marque, elle est juste top, mais alors terrible. Franchement, j'espère qu'ils nous ont pas trahi et qu'ils l'ont gardé. Parce que franchement, s'ils l'ont pas gardé, je pleure. Il faudrait qu'ils rajoutent aussi la marque Ford. Parce que bon, c'est vrai qu'on a du John Deere, tout le tralala. Mais la marque Ford aussi dans une compétition de tracteurs, j'espère qu'ils ont pris en compte de cette marque-là. Et franchement, ça serait aussi top. Bon, faut j'arrête un peu avec mes franchement, mais ça serait vraiment génial. Et franchement, encore une fois plus, ça serait génial. La marque Renault aussi, donc vous savez, les vieux tracteurs des années 60, ça serait vraiment super. Vous savez, avec trois maps, je pense qu'on vous l'a dit. Trois maps, j'espère que ça sera une map française. Et dans ces maps françaises-là, bah, j'espère qu'ils vont la mettre, cette marque-là, parce que franchement, ça serait juste trop bien. Ça ferait plus époque. Et puis voilà. J'espère pour ma part, le groupe John Deere sera aussi dans la partie dans FS19, parce que franchement, ça serait juste génial. Cette marque-là, je la kiffe aussi, il n'y a pas à dire. Et j'espère quand même ils ont mieux modélisé tout ça, parce que là, il y aura du travail à faire, je pense. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo là, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et à un moment dans la vidéo, dans le début de la vidéo, excusez-moi, j'avais du mal à avaler ma salive, je me suis littéralement étouffé, éripé à moi parce que j'étais en PLS, bref. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, et bah si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Et en tout cas je vous remercie pour les 132 abonnés, et je vous fais des énormes bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma chaîne YouTube. Sur ce, à très vite, ciao.